Hey yo tout le monde, c'est Lumonti, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un deck très spécial. Vous me l'avez même demandé, la présentation d'un deck E-Giant. Regardez-moi ça. Alors je sais, c'est pas le E-Giant ballon, parce qu'il y a un E-Giant, un électro-géant ballon qui tourne dans le top ladder. Il y a eu pas mal de vidéos dessus, que ce soit chez les francophones ou même à l'international. Mais j'ai trouvé encore mieux un deck qui nous vient tout droit du Mexique, les gars, avec recrue, électro-géant, machine volante. C'est cancer, les gars, mais max. Cancer max, racisme max, tout ce que vous voulez au max. On est à 6-0 dans ce super défi. Le but, ça va être de terminer ce super défi avec ce petit deck. Et je pense que ça devrait pas trop poser de soucis entre les recrues évoluées et Legend. Les gars, vous allez voir que ça fait un carnage. C'est vraiment un deck de fou. Donc on est parti. On n'hésite pas à s'abonner. Hein. J'ai vu qu'il y avait quand même des nouvelles personnes qui découvraient la chaîne, les gars. Donc si jamais vous regardez mes vidéos régulièrement et que c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à lâcher le petit abonnement. Ça fait toujours plaisir. Ok, on est parti contre eux. Ouais, c'est quoi ça encore là? Ok, on va mettre ça. Hein. Ok, ok. Ok, bah ça me va aussi. Hein. Ah frérot, je préfère avoir un électro-géant qu'un golem Alex. Hein. Je sais pas comment il va se débrouiller, il va peut-être poser autre chose. Ok, ah ouais, la guérisseuse. Guérisseuse, c'est vrai que ça peut être chiant. Hein. Ça peut être très très chiant. On a les flèches qui vont arriver, hop, pour aller gérer tout ça. En vrai, on s'en sort plutôt pas mal. Et vous êtes prêts pour la surprise? Là, je pense qu'il est pas prêt. Hein. Je pense qu'il est pas prêt. Hein. Hop là! Surprise du chef! Je vous ai dit quoi, les gars? Il est pas prêt. Il est pas prêt. Il était pas prêt. Bah ouais, mais personne l'a prévenu. Vous êtes pas gentils, les gars. Vous êtes pas gentils de pas l'avoir prévenu. Regardez le carnage! Une minute de vidéo. On est déjà en train de le rouler dessus. Non, mais c'est quoi ce deck? Oh, j'ai créé un monstre, les gars. Enfin, c'est pas moi qui l'ai créé, mais j'ai trouvé un monstre. C'est plus ça le terme exact. Oh, on l'a quasiment 3 coucous en un push. On avait rien pour gérer l'hydrague malheureusement. Qu'est-ce qu'il va envoyer derrière? Ok. Alors, on peut faire une petite strat comme ça. Hop. Non! Qu'est-ce que j'ai foutu? Oh oui! Oh non. Qu'est-ce que j'ai foutu, les gars? Ok, ok. Oh, on annule tout. On repasse en mode défense. En gros, ce que je voulais faire, c'est que la machine volante, elle se retourne sur l'hydrague. Sauf que j'ai trop pas attendu et. Ah, dommage. Bon, par contre, il y a du monde qui arrive là. Oh. Il y a du monde qui arrive. Il va sûrement mettre son hydrague. Il a pas le choix. Du coup, nous, on part de l'autre côté. Aïe, 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 ça va faire mal. C'est parti, mon pote. Hein. Bonne chance. Regardez les dashs. Regardez-moi ces petits dashs. Ah, vous avez dash par contre. Hein, je vous le dis direct. Hein. Moi, je veux du dash. Moi je veux du dash. Moi je veux du dash. Moi je veux du dash, mon pote. Allez, 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 on continue. On continue, frérot. Oh là là, on est en train de le soulever d'une violence, les gars. Oh, oh là 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 là. Non, là, là franchement, on tient un bunker là, sur la chaîne, les gars. Je me demande même si. On verra comment ça se passe dans cette vidéo, mais je me demande même si je vais pas laisser un ladder. Ah, mais non, j'ai pas les recrues évoluées, merde. J'ai pas les recrues évoluées, donc je peux pas les jouer en ladder. Bah, on va farmer les super défis alors. On va farmer les super défis. Ok. Du coup, 7-0, une victoire en une minute. Premier push, on l'a massacré. Putain, le pauvre, il a rien pu faire. Il y avait, on a réussi à enrager. Il y avait je sais pas combien de troupes. Ok, ça commence plutôt bien. Allez, on est parti. Deuxième game contre Jacob qui nous joue un deck 3 mousquetaires. 3 mousquetaires, ça pourrait être délicat. Sachant qu'il peut pépon à tout moment. On va pas mettre les recrues. Ah ouais, c'est clairement du 3 mousquetaires. On va surtout pas mettre les recrues maintenant parce que sinon, il pourrait nous faire une mauvaise surprise. Ok, par contre recrue, on dit pas non. Oh, recrue 3M. Ah, j'espère qu'il joue pas qu'il joue pas 3M. Hein. J'espère vraiment qu'il joue pas 3 moumous. Hein. Sinon, on a perdu, les gars. Ok, les flèches. On va être plutôt pas mal là-dessus. On va pouvoir protéger du coup. Ça veut dire qu'il a plus les flèches. Non, vas-y, ça passe devant. Pourquoi ça passe devant? Oh, c'est terrible. Oh, la cape en plus bien bien guess que j'envoie là. Oh, ok, ça force à rage. Heureusement, on a eu la chance parce que c'était vraiment pas bien joué de ma part. Ça a forcé à rage. Et je crois que c'est le nouveau deck un petit peu cancer là avec la pompe. Que je croise aussi. Oh le mais il y en a trop. Je peux pas vous faire assez de vidéos les gars. Il y a full deck cancer.
C'est vraiment une petite dinguerie. Je pense qu'on va faire ça. On va mettre électro-géant de fond de map. Voilà, il va sûrement mettre la pompe. Je voulais pas le mettre au pont puisque il peut recruter. Et on va mettre full recrue derrière, je pense, ou même à côté, ou devant, ou un peu partout. Ok, comme ceci. Voilà. Parfait. Hop. Petite flèche. Oh là là. Oh là 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 là. Regardez. Regardez les recrues voler. Oh là 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 là. Mais c'est quoi cette petite dinguerie là? Qu'est-ce que c'est que cette petite dinguerie là? Oh, il n'y a plus de pompe. Eh ben voilà, il n'y a plus de tour, il n'y a plus de pompe, il n'y a plus rien du tout, frérot. Oh. Oh là là, mais quel régal ce deck. Il joue tout seul, hein. C'est pas compliqué ce que j'ai fait. J'ai mis Giant fond de map et recru au pont. Là, il n'y a pas eu beaucoup de plays. Hein. Ok. Attention, il y a du monde qui arrive. Hop, il a pas dit son dernier mot. On va essayer de défendre au max. Est-ce qu'on peut kappa? On peut pas kappa, mais avec la tornade, ça devrait le faire. Ok, la tornade qui va sécuriser la défense du mini PK. Du coup, on n'est pas trop mal. On va pouvoir recru fond du terrain, je pense. Voilà, recrue contre recrue, à partir de maintenant on devrait pas risquer grand chose si on joue intelligemment. Il va falloir faire juste attention aux dragons squelettes. Hop. Donc on va laisser les sniper un petit peu au milieu. Voilà. En évitant quand même de lui donner de la value. Merci, n'est-ce pas hein. Ah putain, je suis trop débile. Je suis trop débile. Ok, ça passe. Ça passe la def. Ça passe la def. Non, 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 mon pote. Non, non, non. Tu... Waouh. J'ai cru que le MPK allait aller sur la tour. Ok. Un petit peu de BM quand même, histoire d'être dans, vraiment dans le roleplay. Full cancer. Oh là 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 là. On est à combien? 8-0. Moi je dis ça sent le 12-0 hein. Ça sent le 12-0 à plein nez là. J'ai jamais aussi senti un 12-0 aussi fort. Ça sent bon. Ok, on se retrouve pour la game d'après contre Pitou. Qu'est-ce que ça nous joue Pitou? Il va nous souhaiter bonne chance. On va lui souhaiter bonne chance aussi puisque ça part en recrue first play. Eh oui, vous connaissez maintenant, vous connaissez votre gars. On met recrue first play, comme ça on peut récupérer la version évoluée le plus tôt possible. Me dites pas que c'est le deck que je pense encore là. Non, ne me dites pas que c'est encore le deck qu'on vient de croiser d'avant là. Ne me dites pas que c'est encore lui, mais tout le monde joue ça, tout le monde a vendu son âme les gars, tout le monde est passé du côté obscur de la force, c'est une dinguerie. J'espère qu'il n'y a pas mettre un mini PK de l'autre côté, ça peut être problématique ça. Je vais pas avoir assez là. Il va me falloir un peu plus d'Elex. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon les gars, fausse alerte. Fausse alerte, fausse alerte. Hop, on va faire ça comme ça. On va forcer un petit sort de rage. Ok, la pompe. Nice. Oh oui. Oh oui, le mini Pika qui meurt. Oui, monsieur. Oui, oui, oui. J'aime bien. Ok, la pompe défensive assez... assez ingénieux, j'avoue. Parce que vu que ça fait pas de dégâts au Egeon, ça c'était assez connu en vrai comme move. Ok. Donc là maintenant il a pris les dragons squelettes et là on commence les choses sérieuses. Hop là, regardez. Non mais franchement Wotop, je comprends les gars. Franchement la satisfaction de poser des recrues fond du terrain comme ça là. En plus il y a les kappas qui vont s'activer. Oh là 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 là. Ah non, je pensais que ça allait taper en zone. Comment on joue ça du coup? Comment on joue ça? Je pense qu'on va all-in d'un côté. Hein. On va all-in avec notre sorcière Lani. On va essayer d'activer une bonne capacité là maintenant qu'il n'y a plus les flèches. On a une petite capa à aller chercher. Oh, ça va pas être si fou que ça au final. Hein. Ça va pas être si fou que ça et c'est même à son avantage puisqu'il va pouvoir recruter dans son terrain. Ok. Et ben on saura qu'il vaut mieux envoyer des recrues en deuxième. Moi c'est la première fois que je joue ça les gars. Je sais pas, on me tirait pas dessus mais... Et voilà, il commence ses moves cancer. Dragon squelette. Voilà. On va pré-shot les gars, on pré-shot ici, on pré-shot. Ok voilà, on va pas faire deux fois la même connerie, on met d'abord le roi squelette et ensuite les céréales. Ah vous commencez à capter les gars, vous commencez à capter, c'est bien. Il y en a qui suivent quand même un petit peu. Là par contre il y a du monde, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce qui est en train de se préparer. Ok, on va mettre ça comme ça, comme ça. Nice. La machine volante qui devrait aider des deux côtés.
Hop, on va forcer une petite pompe. Il a plus la pompe. Il a les recrues évoluer. Est-ce que ça va être suffisant? Ah, je sais pas, hein. Ah, je sais pas, frérot, si ça va être suffisant. Ça renvoie quand même beaucoup de dégâts, là. Hein. Allez, 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 allez. Allez, 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 on y croit. Oui, monsieur! Et c'est la tour qui tombe! Troisième victoire, troisième massacre. Si on pouvait quand même croiser autre chose que recrue, ce serait cool. Attendez, mais c'est quoi ce deck, hein? Regardez, hein, je vous mens pas. Hein. Double match-up. Enfin, c'est exactement le même match-up. Et regardez, juste avant, ma session ladder. Regardez! Hop là, j'ai perdu contre quoi? Et j'ai perdu contre quoi? Regardez-moi ce deck. Non, lui, on va le surveiller très près aussi. Hein. Les recrues, les gars, on va les surveiller très près. Les recrues donnent des carrières en ce moment-là. Hein. Ceux qui vont faire un bon finish avec les recrues évoluées, méfiez-vous. Puisque c'est clairement cheat. El Pechava. El Pechava, peut-être un petit lockbait. Hein. Lockbait, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant de voir un petit peu ce que ça donne. Ok, on envoie le fût à squelette. On va rester à 10, hein. On va juste cycler notre petit sort de rage. Hop, histoire de conserver les flèches tranquillement. Et là déjà j'aime bien. Déjà la sorcière de la nuit. Quand il a mis fond du terrain avec moi, je peux la prendre tranquillou, les gars. Qu'est-ce qu'il nous propose d'autre? Est-ce qu'il va partir avec? Ok, ok, pour le moment j'aime bien. Pour le moment on s'adapte bien à la méta, les gars. On est plutôt dans le thème. Ok, on va envoyer la sorcière la nuit. On se méfie, hein. S'il y a un pêcheur, on sait jamais. Ok, on ramène tout le monde. On fait le nettoyage, quoi, un petit peu. Hein. Encore des chauves? Encore des chauves, ça va mettre du dégât, ça. Ok, on va one-shot la Valkyrie. Ça, c'est pas mal avant que la bombe n'explose. On prépare la machine volante si jamais il met une fût à squelette. Ou une fou à squelette. Oui, 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 monsieur. Est-ce que j'ai envie de recrue maintenant, en vrai de vrai? Parce qu'il va recycler sur l'arti. En vrai, je pense pas. Hein. On va voir un petit peu les sorts qu'il a. On va analyser un petit peu. Analysons un petit peu la situation. Ok. Du coup, on va mettre ça comme ça. Ok, il a plus de gargouille. Il a l'air d'avoir un deck très 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 fragile face à Lee Giant. On va essayer un petit peu d'en abuser, je pense. Ok. J'ai un petit peu peur, en vrai, de mettre mes recrues comme ça. Hein. Je sais pas si c'était une bonne idée. Je sais pas du tout si c'était une bonne idée. Hop, on va essayer de gérer le géant squelette. Là, je veux juste cycler sur mes recrues évoluées. Mais j'ai peur de me prendre un bus, là. J'ai peur de me prendre un petit bus. Il doit défendre là. Ok, non, ça va. On est safe. On a même la tornade si besoin. Ok, on est tranquille. On est tranquille, on est tranquille. On a recyclé sur notre électro-géant. Hop, on va mettre la machine volante. Comment il va réagir à ça? Ok, ok. What the fuck? La machine, si elle pouvait se retourner. Ah, dommage, la machine qui va aller tout droit. Ouf. Ça, par contre, toi, tu vas dégager vite, vite, vite fait, bien fait, frérot. Je veux plus te voir. Ok, nice. 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 Oh là, il y a du monde, hein. Là, il y a du monde, mon pote. Allez, allez, allez. Gang de gobelins. Ça tape, hein. Oh, on va pas se... Eh, les gars, on va pas se casser la tête, hein. Eh, on va pas passer par quatre chemins. Il a le topo, il a pas de bâtiment. Ah, je crois que c'est GG, mon pote. Je crois que c'est la fin. Et ça... Mais attendez, mais on est en train de... Mais j'en reviens pas, les gars. C'est tapine sur tapine. Je vais aller check vite fait s'il n'y a pas une petite offre recrue. De... Les gars, je vous donne ma CB, mais laissez-moi max les recrues. Je vous donne ma CB, laissez-moi max les recrues, les gars. Je fais top un monde, en fait. Ok, on est à 10-0 actuellement. Et on enchaîne. Voilà, même pas besoin de faire de cut. Furiosity qui a l'air de jouer les recrues en face aussi. On va bien voir, plus que deux victoires à aller chercher pour le perfect.
on va tenter, on va rester concentré. Ok, là ça sent le cochon. Ou alors le deck qu'on a croisé tout à l'heure, non, pas eu troisième. Non, mais pas eu troisième fois, frère, c'est bon, changer de disque. Oh, 3 fois le match-up en 4. Non, 4 games. Ok, petite variante, pourquoi pas. Ah, par contre, là ça va faire mal ça. Oh, oui, que ça va faire mal. Hein. Ouais. Ouais. Ok, pourquoi pas. Ah, je sais pas s'il a plus d'élixir que moi là pour pompe. Je pense qu'il... Ah, je sais pas ce que je fais les gars. Ah ouais, ça m'embête là. Je sais pas si je peux le punir au pont. Je sais pas si je peux le punir au pont. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cycler la machine volante. Ça va peut-être l'embêter un petit peu. On n'a pas cyclé les recrues, on les posera quand il les posera lui, je pense. Voyons voir comment il réagit à ça déjà. Hop, on va mettre ça juste ici. Ok. Bien timé, c'est propre, rien à redire. Ok, il a mis ses recrues en premier, comme tout à l'heure, c'est ce qu'on voulait, on a dit. Et voilà, nous on va pouvoir mettre nos recrues à nous. Il a quoi? Il a rage. Faire attention un petit peu à tout ça. Ok. On va aller soutenir le côté droit puisque le côté gauche est un peu plus fort. Ok, on met les flèches le plus tôt possible. Ok. Ça va. On a réussi à défendre les recrues évoluées. Lui, il doit encore défendre ce petit push. Bon, je pense qu'il va repomper, clairement. Ok. On peut peut-être... Si je me suis pas fail. Et je me suis fail comme d'hab. Et voilà, le petit fail. Putain. Dommage, j'aurais pu activer la tour du roi là. Je me suis fail bêtement. Alors on va faire ça comme ça. Oh le con. Oh l'erreur. Oh l'erreur monumentale qu'il vient de faire là. Il a cru que j'allais partir au pont je pense. Oh l'erreur monumentale qu'il vient de faire les amis. Ouais. Est-ce qu'il a un mini PK? Il a pas de mini PK j'ai l'impression dans sa version là. Il a déjà recyclé sur des recrues. OMG. Ok, on va perdre la tour je pense. On lui met une petite pression. On va défendre aussi. Oh c'est tendu les gars. Ça commence à être tendu là. Ça commence à vraiment être tendu. Putain j'ai mal timé ma machine. Qu'est-ce que j'ai foutu sur ma machine les gars? Oh, qu'est-ce que j'ai foutu sur ma machine? Je pense qu'on va faire ça hein. On va full def hein. Qu'est-ce que j'ai foutu sur ma machine les gars? J'ai déconné là. On va laisser co. Ok. Ok. Ah, je peux activer ma capa s'il vous plaît? Merci. Quand même. Il a rien pour les machines, hein. Oh c'est tendu les gars, c'est tellement tendu. Il faut qu'il pose ses recrues en fait. Allez, hop. Bonne chance. On va full stack les machines les gars. Ok, ça stack, ça stack, ça stack. Petite capa. Jane Corner, histoire de fêter ça. Ah, j'ai la pression, les gars. J'ai la pression, j'ai la pression. Bah, c'est reparti, hein. On va refaire la même à chaque fois, en fait. Hein. Petit pré-shot, ok. Nice, nice. Ouh, on l'a eu sur la part. Oh là 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 là.
Oh, on a eu chaud, j'ai mal joué, je pense. J'ai pas hyper bien joué la fin, je savais pas trop quoi faire. Le cycle était chelou. Il y avait la pompe et tout. Je mettais des Gen Corner, il se faisait one shot alors qu'il a pas de bâtiment. Ok. Et là, les gars, c'est le moment de vérité. On est à 11-0. Est-ce que on finit en héros ou est-ce qu'on se fait un bon petit 11-3? Et là, c'est. Je sais même pas s'il y a une vidéo, les gars. Si je fais 11-3, je crois que c'est la retraite. Hein. C'est la retraite directe, là. Hein. Je vais me mettre à la retraite face, là. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Ah là, j'ai pas envie de choke, les gars. C'est la dernière game. Je pense qu'on va être patient. Est-ce qu'on pourrait pas aller voir, hop, rapidement ce qu'il joue, notre petit adversaire? Qu'est-ce que ça joue, les gars? Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il m'envoie ça, là? Mais pourquoi il fait ça, les gars? Pourquoi il fait ça dans ma dernière game? J'ai un pour first play. Kadili, tac, il faut faire attention aux pêcheurs contre GR. Ça peut faire très très mal. Je pense qu'on peut recruter tranquille, hein. En vrai de vrai, non? Ah, il a bouliste. Et il a pêcheur. Oh lolo lolo lolo, ça sent pas bon. Hein. Oh. Il a le bouliste. Aïe. Ok, alors on va bait la boule de feu. Il va peut-être pas avoir assez pour bouliste plus boule de feu. Il avait clairement assez. Ok. Ah, c'est le boss final, les gars. C'est le final boss. Hop, on va défendre comme ça. Qu'est-ce que j'ai foutu, les gars, encore, putain. Je vais prendre tellement de dégâts des deux côtés. Je vais prendre tellement de dégâts. Bah, je sais pas si c'est rentable, les gars. Je sais pas si c'est rentable, putain. Ça m'embête, cette histoire-là. Ça m'embête. Ok. Recrue. Le problème, c'est qu'elles vont se faire reculer à fond. Ah ouais. Elles se font exploser contre le GR évolué. Hein. Oh. Oh là 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 là, ça va être compliqué, les gars, le bouliste et tout. Hein. Je vais faire mon mieux, mais... Ça va être compliqué, hein. Hop, on va faire ça comme ça. Nice. Pré-shot du pêcheur peut-être. Nice. Il a pas de tornade, hein. Ah ouais, mais ça... Qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est GG, les gars. C'est GG, je pense. Je pourrais pas le remonter, malheureusement. On va tenter le tout pour le tout, mais ça me paraît vraiment chaud, hein. Je crois qu'il a snipe full recrue. Hein. Il a fait un deck aux petits oignons pour les recrues. Il a une build DF. Ah, je sais pas si ça peut finir. Hein. Ouais, mais il a full phoenix. En fait, je peux rien faire avec mes machines volantes. Il a full phoenix, full bouliste. Il peut s'installer comme il veut. Les VDF à gogo. Ah, il est bien. Hein. Il est bien, le petit 1. Hein. Il est bien, le petit 1. Hein. Il est bien nourri. On tient bon, mais combien de temps, quoi? Mais le bouliste, il repousse tout. MG. Ah bah le OMG... En vrai, si j'avais plus de tornade là. Ah, il y avait peut-être un braquage à faire. Dommage. Ouais, compliqué de fou, les gars, ce match-up. On va pas se mentir, Phoenix, BDF, bouliste, il avait vraiment tout pour tout. Ok. Premier snipe. Ok, on enchaîne direct. C'est l'heure de la vengeance. Contre Adrian. Un top monde aussi. Non, pas le 11-3, les gars. Je les call et je veux pas un 11-3. Hein. Je veux pas un 11-3. C'est mort. Ok, recrue first play. Bon, déjà, c'est pas le même deck.
Qu'est-ce que ça peut bien être? Ouais. Ok. On va envoyer, hop, ça pour détruire un petit peu la Tesla rapido. En vrai, on est bien là. On est pas trop mal là. En plus, il a plus... Attendez, il a plus rien là. Il a plus rien, il a plus de bâtiment là. Quoi? Déjà? Non, c'est abusé. Non, c'est abusé. Non, c'est abusé ce qu'il vient de faire. En gros, pourquoi j'ai attendu avant de flash? Parce que s'il faisait arty plus cochon, j'avais pas assez pour la tornade. Et voilà, et c'est pour ça que moi, vu que je suis malinx le lynx. Et voilà, les gars. Hop là. Cadeau. Petite activation de tour du roi. Ça, ça fait plaisir. Vas-y, hein, je pense qu'on peut se permettre cru fond de map. Hein. On va pas se gêner, hein. On va pas se gêner du tout même. Hop. Tac, il va sûrement protéger tout ça. Ouais. Quoi, elle meurt pas? Ouais, elle meurt pas. Oh, elle meurt pas, plus le cochon qui reste en vie. Ah, quand même à gauche, quand même. Ah, quand même, on a mis un petit peu de dégâts. Oh! Ça veut pas mourir, hein. Le problème, c'est que je cycle un petit peu trop lentement, je trouve. Alors, on va faire ça comme ça. Est-ce qu'il va oser nous push, là? Est-ce qu'il va oser venir, là? Vas-y, viens, je t'attends. Viens, 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 viens. Viens, mon grand. Ok. Nice. On va mettre ça là. Nice. Nice. C'est un roi squelette avec pas mal de bats là. Ok, une bonne capa qui se prépare. Ah, ça, le problème c'est que ça va pas tanker comme je voulais là. Ah, c'est pas ce que je voulais là. Ok, ça c'est par contre c'est bien. Hop, petit tornade tranquillou. Voilà. Petit chevalier, c'est pas grave. Vas-y, viens, 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 je t'attends. Viens dès mon ami. Viens, 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 viens maintenant là. Viens, viens. Envoie ton cochon là. Ah, on l'entend moi ta grande gueule là. Hein. Ah là, ça court dans tous les sens, regardez là. Ah là, on l'entend moi ta grande gueule. Ah là, on l'entend moi ta grande gueule, Adrien. Voilà, envoie-moi des cochons maintenant, tu vas voir. Tu vas voir ce qui t'arrive. Bon, les amis, 12. Victoire, une défaite, je sais pas ce qu'il faut que je vous montre de plus sur le deck les gars, franchement, si vous voulez vous faire plaisir en défi, c'est le deck le plus simple que j'ai vu de cette année, voire même depuis le début de mes débuts sur Clash Royale, c'est n'importe quoi ces deux cartes ensemble, la machine volante aussi complètement broken, en tout cas le deck est super bien. On va s'ouvrir le petit coffre, on n'oublie pas le petit pouce bleu, très très important pour soutenir la chaîne, et nous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était le Mighty, ciao ciao. Oh la petite neige. Iwiz. Ah ouais, je peux jamais... Maître mineur. Ah mais de toute façon c'est ça mon problème. J'essaie toujours de faire du contenu.